Bonsoir tout le monde. Je souhaite une bienvenue sur Chenza. Si c'est la première fois que vous visitez nous, ce sont habitués. Bon retour et vous remercions en pile pour fidélité. Merci parce que vous êtes monde qui, vous n'avez pas même fini de la vidéo, ça, ou bien un thumbs up, ou bien un like. Lorsque fait ça, moi, ouais, qui quand c'était monde qui aimait une petite vidéo, ça me fait, ou une petite recette, ça, pour comprendre, ça fait des moi-même. Imaginez ou bien venir avec l'autre recette du même genre. Ok? Et puis, ça aide YouTube tout. Fait plus pour nous, ouais, vidéo. Donc, faut que nous like vidéo, sinon, après, nous allons rester, faut nous exprimer appréciation nous par un like. Et puis, dis-nous ça nous passe. Hein? Et ça nous joue comme résultat tout. Faut nous commenter. Et puis, pour les amis, famille, familles, etc. Je dis à nous faire un petit pâté avec fromage. Ok, on fait pâté avec un soit déjà gros pâté traditionnel haïtien, on va faire un petit pâté plutôt classique. Ok, voilà, toujours pas bon pour le monde qui a fait régime. Mais pour le monde qui va dans le régime, on va faire un petit pâté ça. Et puis, comme fait demain là pas loin, vous comprenez, on va offrir maman dans le menu à faire un petit pâté ça. Comme si nous voulons, après va faire là, on va saluer, on va remercier tout le monde qui a ok, c'est moi qui t'ai cliqué à un moment donné sur le bouton join là et puis qui paye au même membership chaque mois. Même si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez cliquer sur le bouton join là ou bien vous pouvez avoir une contribution support bah nous, par PayPal dans gaspardorelien@gmail.com ou bien si ça n'a pas été vous pouvez faire par mon cash dans 36 72 25 58. Ok, merci en pile pour support nous, merci pour même qui a fini déjà. On a regardé tout de suite ensemble ingrédients qu'on a besoin pour faire un petit pâté ça que tout le monde. Mais ensemble, ingrédients avec matériel, on a besoin pour nous faire petit pâté avec fromage. Là. On a besoin bien entendu farine. Là, on a farine France. Nous avons 3 tasses là. Nous avons un demi-bâton beurre que nous fondons. Nous avons 2 tasses lait. On a besoin de garlic chopper. On a besoin de rouleau pâtisserie. Merci encore à Judy et à sa fille pour ce cadeau. On a besoin d'un petit poignet de coriandre. Bon, soit un coriandre, on a toujours mis persil dans le plastique. Bon, comme haïtien, bah moi j'ai pas de piment, je vais mettre un petit piment quand même. Bon, pas petit matelot, je vais mettre piment là-dedans, mais pas mieux, a bien piment. Et puis, comme haïtien original, qui remet arançon, n'a pas ajouté un petit arançon. Dans la face, nous allons mettre un pâté. C'est un pâté avec fromage, on a utilisé. Fromage râpé ça, cheddar, l'un des fromages les plus consommés au monde. Il en a préféré mieux tout. On a besoin d'huile, on a besoin de sel, on a besoin de gros saladier comme ça pour nous commencer mélanger. On a besoin de film alimentaire tout, bien qu'elle passe sur le plateau là. On a besoin de mounsayo carré avec rouen plus bol ça. Puis devant, on a besoin de belle faveur. On a besoin de fourchette. Quand tu veux, on a besoin de fourchette. Alors, c'est ensemble ingrédients ça yo, on a besoin pour nous faire petit pâté avec fromage là. Bien sûr, moi-même m'a ajouté un petit en salade. Moi fait pâte plusieurs fois sur chaîne ça déjà, mais pâte ça va le faire pour l'autre gens. Pour ça, j'en ai été constaté ensemble et ingrédients de présenter, pas de gagner bicarbonate ou bien pour l'élévation ou bien baking soda. Non.
c'est un pâté qui a tout plat lié sans et produit qui pour faire lever. Donc on a commencé par verser farine là. La salade dit vous de mal faire mélanger. On a versé demi bâton beurre que nous défendons. Versé en quantité dans celle noire. C'est moi qui l'a arrivé encore. Et puis, on a commencé à mélanger. C'est comme si on a boisson moitié. Vous écoutez, la boisson moitié déjà. Papa, c'est boisson à son dos. Bon, ouais, bah, ça bien. Encore en farine noire et puis on a versé progressivement l'être là. Commencez par une petite quantité là, vous fermez farine en sous-lit. Ok, donc vous allez venir à la partie côté, c'est maintenant nous allons utiliser. Même, rassurez-nous que maintenant bien propre, il doit y avoir base, cutex, ni bijoux, non même. Près de 10 minutes à pétrir. Alors d'ajouter un petit lait tout petit, ok, il te manque liquide, d'ajouter un petit lait. Donc on y a là, ça l'a fait, on va juste aller dans le film alimentaire. Ça va être suffisant. Et puis, nous allons quitter le reposer là, minimum 15 minutes. Et l'idéal, ce serait de le laisser reposer pendant une heure. Ok? Bon, nous allons mettre tout le temps ça. On a quitté 15 minutes, nous finissons avec partie ça. Pendant la reposer là, on nous occupe de face là. Ok? On a besoin de coriandre. Well, préparer le coriandre là. Alors, je dis déjà, si je vais utiliser persil et que vous n'aurez pas le même résultat, il y aura le même goût. Parce que le coriandre a gagné plus de goût et plus fort. Et moi-même, il est bien aimé. On a mis le coriandre dans le garlic chopper et puis ok, on réserve un peu coriandre MSC.
Maintenant, des poids en soi, on y a. Là, c'est des filets d'ansoir qui gagnent. Nous retirons pratiquement toutes arrêtures déjà. Quelques graines qui étaient là. Ah, bah, quelques graines d'aide. Maintenant, il y a des temps plus en bas, ça là. Alors, côté match qui va être à haut, c'est une arnaque. Je vais me filer d'ansoir, mais je quitte plus fort avec ta aide. Par contre, Haïti, on va acheter filet d'arançon, pratiquement il va venir arrêter. Je vais tirer tout. Et en fait, on va couper un petit morceau dans ta arançon. Ma émincé en première partie. Oui, ça y est pour petit matelot. Ok. Ma mettez dans la description pour nous. Lien si vous voulez gagner machine miracle ça. Ok. On réserve cette partie. Mettez tout le reste à Gounia. On a piment de gain en tout. On a coupé pour un bon piment. À toute graine. Parce que nous n'avons pas fait piment. Si vous voulez manger piment, on va mettre. Ok. Eh bien, nous voyons là. On a juste quitté 15 minutes à finir là. Et puis, pour nous, retourner dans la pâte là. Ok? À tout de suite. Là, nous allons occuper de farine. Nous allons abaisser la farine plan de travail noir. D'abord, c'est parti. Entre temps, nous lui met bombe ou bien récipient pour l'utiliser pour une fruit pâtée. Nous prenons c'est chaud. Parce que là, nous arrivons en phase côté nous pas loin à le faire pâtée. Ok. Nous finissons rouler. On a commencé avec pâté petit macro. Donc ça a fait avec moulsa. Ok. À fond sec. Ok. On a fond deuxième. Parce qu'il faut le perdre. Et puis. Ça a fait dans une nan sec, dans la mi-temps, nous mettez un petit fromage. Nous mettez un petit arançon. Et puis, on couronne le tout avec coriandre MSCA. Et puis, pour le deuxième sec là, nous mettez sous lit comme ça. Ok. Ok. On a la pesée avec point d'ouette. Extrémité.
Après ça, qu'on y a là, c'est qu'on y a besoin de fourchette là. Avec fourchette là, on a vraiment vu une soudée. Et puis, ça participe dans le design pâté. Et puis voilà, nous avons le premier pâté. Ok? Deuxième là, on fait le carré. Bon, tout ça, c'est encore pour le plaisir des yeux. Hein? On met du fromage d'abord. Ça est toujours pour petit matelot. On met dans un sort. Et puis, coriandre ciselée. Alors, il y a une technique. Je vais appliquer pour premier, mais je vais appliquer pour là. C'est pour un petit de l'eau. Passer dans l'extrémité. Ça va aider. L'eau mettre l'autre bord là. Pour lui adhérer avec sans problème. Donc, je vais son petit de l'eau. Sur lui. Et puis, je vais déposer le deuxième garé là. Et puis, avec le temps, je vais commencer à faire adhérer. Ensuite, vient le travail de la fourchette maintenant. Et puis, il y a une deuxième bâtonne. Entre temps, ben, c'est chaud, non chaud assez. On va mettre l'huile là. Pendant l'huile là, chaud, on va continuer à faire pâté noir. On va faire de plus gros pâté. Pâté pour goûteuse là avec main. Ok, mais tu disais, bol qui est plus gros. Ok, plus gros que moule taler. Mon deuxième. Ok. Allez, ça prend plus garniture. Là, quand il y a la pétale en sorte, il y a un jardin. Et puis, la coriandre ciselée. Passer de l'eau dans l'extrémité pour adhérer avec sa manette et l'autre partie pas de manette sous l'IA. Avec l'eau, on va commencer à faire le travail là. On fait une colle à clotte. Oui, fourchette à fin de faire ce travail là.
Et puis, on continue comme ça, on étale. C'est l'huile manche au cougna là. Nous allons commencer à mettre. On commence avec pas petit mat de l'eau. Bon, on va mettre mon troisième là. On va quitter aussi là. On continue à se battre pendant ce temps. La bille. Tu vas prendre un temps pour cuire là, il y a un bon lac table même boulé, viré. OK? Là, on passe dans 30 secondes là on va retirer. Pas trop prêt pour retirer. Je vais premier à battre humidifier bordure yo, ouais nous j'en ouvri. OK? Par contre ça, moi était bien scellé avec l'eau, ouais, il était fermé. Donc, il faut utiliser la technique ça pour ne pas ouvrir. Ouais, j'en ai gardé là. Ça va faire, ça va frire fermer, ça ouvre par contre. Et on va continuer. On va mettre le panneau de l'eau là. Puis, on a obtenu un bon pour virer. Ok, nous avons viré pâté nous déjà. Là, nous passons au bon. On les enlève. Ouais. Ça aurait été fermé. Bien. Okay. Parce que nous avons humidifié le bord du yo. Donc, deux plaquettes pâté ont été collées. On met sous papier absorbant. Mettons l'autre quantité. Ça, c'est un petit pâté, c'est là. Yo. Ah bon? Du coup, ça n'est pas les mailles. John Loulouzio, petit bail. Non, quand même, c'est un bon petit pâté. On va nous goûter. Déjà là, avec petit matelot. On va goûter dans la. Il va goûter ça. Je vais manger. Pâte là, très bon. Vous comprenez? Avec l'aide là. On va mettre là-dedans. On va mettre un petit très bon. Et puis, il est très sec. C'est bon pâté, déjà, tant que pâté de mon hier. Et puis, son petit bail très léger, avec fromage là, à l'ensemble de la c'est trop lolo. Vous devez l'essayer. Et puis, vous faites des BA pour commencer, vous voyez, comme pour bien manger, car vous frites, maman, vous le petit pâté. Vous voyez? Et si vous êtes intéressé pour quelques menus pour faire des meilleurs là, si vous vivez à maman, ou bien kay maman, ou bel cadeau de kaoufil, à le cuisiner pour nous, mais cuisiner là, kay nous pour te manger pour maman nous, pour faire des meilleurs là. Alors, on va parler de faire des meilleurs haïtiens. Vous comprenez? Mon qui est aux États-Unis, fait des meilleurs déjà longtemps. Bon, nous avons toujours refaité la haïtienne. Vous comprenez? Faire des manger pour nous, dites si ça vous intéresse pour nous, un menu spécial pour la fête des meilleurs. En attendant, on a des goûteuses là, des mangeuses là, et vins d'une salle, c'est de battre ça. Bon, comment tu viens pas trop dans le monde? Je vais te donner mon blé, mon monde. Et puis, je vais prendre l'air là, parce que ça, lui-même, il n'y a pas de carité. Ça, c'est ça. Il a que les autres, en tout cas, moi, je vais pas besoin de petites sommes là, maman.
Pour votre bouche, moi, c'est goût à la chasser. Moi, par contre, une belle figure. Mais elle est très bon, hein. C'est juste avec l'esparide dans le fait. Donc, c'est très bon. Si pâté au bien léger, pour une pâte bien fin, il n'est pas grotesque, il n'est pas malouk. Donc, yeah, c'est agréable. Son bon petit snack pour mon petit plaisir. Ok, eh bien, merci beaucoup. Okay. Bon, eh bien, bon, ça me va pas l'idée. N'est-ce pas? Bon, ok, mangeuse à ma goutte, pas perdu en rien, bon. Ouais, ne m'achèche non, mangeuse ou goûteuse? Salve! Bon, en tout cas, moi, je vais aller enjoy là, je vais aller les petits matelots que je me donc, essayez pas que ça n'a bon résultat. Et vous dites, essayez pas que à un soir déjà, vous êtes très content, très satisfait, mais pas que ça n'a pas compris satisfait. Ok? Non, vous quittez carrière pour les petits matelots, vous pouvez manger. Il y a des pâtés chinois. Il y a des pâtés chinois. Il y a des pâtés chinois. Ah ben.